Bonjour à tous, donc moi c'est Émilie, c'est ma toute première vidéo, donc j'espère que vous allez être indulgents avec moi. Donc je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer mes derniers petits achats scrap que j'ai fait chez Nose, mais également sur un site internet, sur le site Letraset, où je viens d'acheter mes tout premiers promarqueurs. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à les essayer. Donc je me suis rendue chez Nose ce mardi, où ils ont pas mal de choses de Noël quand même pour tous ceux qui veulent faire leur déco. Il y a des trucs quand même super sympas. Et comme d'habitude, j'ai bien entendu trouvé pas mal de petites choses pour remplir mon atelier. Donc je commence par, j'ai trouvé du ruban en satin. Donc il y en a de différentes largeurs, différents coloris bien entendu. Donc là il fait 40 mm de large. Je sais pas si vous voyez. Il est un peu fuchsia, on va dire. Mauve foncé. Celui-là, il est fuchsia. C'est le même. Et celui-ci, voilà. Celui-ci, c'est peut-être un petit peu plus évident. Celui-ci, il est fuchsia. Donc, vous voyez. Donc, je me suis pas ruinée. Les 2 mètres, je les ai payés 50 centimes. Donc, bon, je pense que ça valait pas le coup de s'en passer. J'ai également pris du gris perlé. Donc toujours en satin, hein, là c'est du 15 mm par contre, il est un petit peu moins large, mais la longueur est la même. Non j'en ai plus, excusez-moi, j'ai le double, là j'ai 4 mètres, et toujours pour le même prix en fait. Bon il y avait plein de couleurs, hein, mais moi j'en ai déjà tellement plein en même temps, que je me suis ciblée que sur certaines couleurs que j'avais pas. Et encore, je me suis freinée, d'habitude j'achète tout par deux. Allez savoir pourquoi, j'aime pas les chiffres impairs. Donc voilà le petit dernier pour ma collection. Je vous la montre pas parce que j'ai également trouvé, donc là après on est dans les jouets de Noël, ils avaient tout un arrivage de Style Me Up, je sais pas, pour celles qui ont des filles, c'est un peu, c'est Barbie mais pour les plus grandes on va dire, donc j'ai pris ceci, donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est, en fait c'est pour fabriquer des breloques, pour faire des bijoux, mais moi ce qui m'a plu en fait c'est que c'était avec du plastique fou. Donc j'ai déjà vu une vidéo dessus sur internet, je ne connais pas, je voulais m'y essayer et je me suis dit, bah après tout, pour le prix 1,99€, c'est même pas le prix d'une feuille vierge de plastique fou, je me suis dit, je vais m'essayer avec des formes qui sont préfaites en fait, et il suffit juste de les colorier et de les passer au four. Donc bah, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec ceci. Mais bon, moi, je vais pas faire de breloques. Hein. Je vais essayer de les intégrer dans une carte ou autre projet en cartonnage. Donc, toujours dans la même collection en Style Me Up, j'ai trouvé celui-ci. Donc là, c'est pour faire des bijoux brodés. Je vous montre, il y a des trucs quand même sympas. Là, je trouvais que les motifs étaient super jolis, mais bon, comme pour le reste, hein, je ne l'ai pas pris pour faire spécialement des breloques. C'est surtout le fil qui m'a intéressé. Écoutez, je vais l'ouvrir avec vous pour essayer quand même de voir ce qui se cache à l'intérieur. Les pendants ont l'air quand même super jolis et en fait, c'est agrémenté de rubans, de strass. Donc je me suis dit, même si, si c'est pas pour faire le projet initial de la boîte, parce que bon, les bijoux c'est pas trop mon truc, bon j'aime bien les porter, mais de là à les faire, j'ai encore pas essayé. Donc, ah ouais, en plus il y a des petites, oh c'est super ça, bon. Je vais prendre quelque chose pour ouvrir, ça sera plus simple. C'est comme tout jouet pour enfants, il y a des stages partout. Ah, voilà. Vous voyez, regardez, il y a des petites chaînes. Alors ça, j'adore, c'est super joli sur une carte et tout pour accrocher un petit tag ou quelque chose dans ce genre-là. Vous savez, les petites chaînettes, style... Vous allez rigoler, mais... style chaînettes de douche. Mais là, elles sont en couleur, en fait. Oh, elles sont superbes, en plus. Mais je vous montre, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Vous voyez, là, ou... Comment je pourrais... Ah, là, là, on voit à peu près bien. Sur du foncé, une fuchsia, une veranis et une turquoise, franchement, top. Ah ouais, en fait, les petits sujets à broder, ça se présente comme ça. Et c'est du bois, en fait. Ils sont super jolis, il y en a 3. Sympa. Il y a des petits boutons, du fil, vous voyez. Il y a même une aiguille et un passe-fil, pour vous dire.
Voilà. Donc le fil, bah, dans les mêmes coloris que les petites chaînettes. Donc voilà. Donc bon, bah, je vous montrerai ce que je pourrais bien faire avec ça. Les sujets sont pas très grands quand même, hein, donc je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça peut s'intégrer facilement dans un projet en fait. Hein. Non, les petites chaînes, je suis pas déçue du tout. Donc voilà, une partie de mes achats chez Noz, mais j'ai également trouvé ceci aussi, il faisait des lots de feuilles de scrapbooking. Il y a plus de 200 pièces, un scrap décor, vous voyez bien, hein. Il y a des feuilles, un alphabet, des petits tags, des petites étiquettes. Voilà, j'ai payé ça 3,50€. Bon, il y avait deux modèles différents. Moi, j'ai flashé sur celui-ci. L'autre, c'était un peu plus... c'était plus les couleurs d'été, en fait. C'était du jaune, de l'orange. Bon, c'était plus de saison. Je me suis dit, tiens, pour faire un petit truc de Noël, ça pourrait être sympa. Donc, voilà. Ensuite, donc j'ai découvert le site Les Tracettes sur un blog en fait. Pour mon anniversaire, j'avais envisagé d'acheter des promarqueurs, mais c'est vrai qu'au tarif et n'ayant jamais pratiqué, j'ai eu une petite hésitation quand même. Mais au fur et à mesure de regarder des blogs et tout, bon, j'ai voulu en acheter d'occasion, mais j'ai eu quand même peur de la qualité du feutre et je me suis dit quand même que au prix des lots d'occasion, quitte à rajouter quelques euros de plus, je préférais les prendre neufs en fait. Donc je suis allée directement sur le site de Les Tracettes. Ils sont pas plus... Je dirais même qu'ils sont moins chers qu'ailleurs. Hein. Donc j'ai la facture qui est ici. J'ai acheté un petit lot moi. Donc le prix net du promarqueur, il est à 2,08€. Donc je pense que... Ouais, ils sont moins chers. Je les ai vus à 3,19€, je crois, sur la fourmi. Et en plus, l'avantage, c'est que j'ai eu un petit bon 10% pour repasser une commande avant le 31 décembre. Donc, dès que je m'y serai essayé, il faut à tout prix que j'essaye avant Noël, je vais essayer de faire une carte quand même avec. Si ça me plaît bien, je recommanderai, comme ça j'aurai 10%. En plus, vous trouvez pour le site là, des réductions super facilement sur internet en fait. Et donc moi j'ai commandé directement sur le site de Les Tracettes, mais je suis en train de me rendre compte sur ma facture que ça me provient aussi de chez Le Frambourgeois, donc c'est une grande enseigne de produits de loisirs créatifs. Voilà, en tout genre. Donc je vous montre, j'ai acheté, voilà, la pochette de 24 promarqueurs Les Tracettes. Donc bon, ça se présente, je sais pas, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un peu Noël avant l'heure pour moi, mais bon, voilà, donc c'est toute la panoplie, hein. Je sais pas si on voit trop bien, en fait, là on se voit un peu plus compte des lumières, mais des couleurs, mais comme ça peut-être, voilà. C'est ma première vidéo, hein, soyez indulgente, hein. Dites-moi si c'est quelque chose qui va pas, je recorrigerai, il n'y a pas de souci, hein. Donc en fait, il y en a trois de... De chaque ton, je dirais bleu, violet, rose, rouge, rouge-orangé, jaune-orangé, vert, voilà, on a un peu tout, tout ça. En plus, avec ceci, eh ben, le site Les Tracettes m'a offert un cadeau supplémentaire. Alors écoutez, pour celles qui savent, ça serait bien de... En fait, ça s'adapte dessus, c'est des pointes fines. Vous voyez ? Comme une pointe de stylo bille en fait. Vous voyez ou pas là, ouais. Oh là là, c'est laborieux. J'imagine même pas le jour où je vais devoir faire un projet filmé. On risque de rire. Mais bon. Pitié. Et donc en plus, hein, parce que bon, quitte à s'enflammer, je me suis enflammée, j'ai surtout enflammé ma carte bleue, malheureusement. Non, j'ai regardé quand même sur internet pour les couleurs nécessaires pour pouvoir faire... des beaux coloris chers en fait, parce que comme je suis une grande fan des tampons Magnolia, je trouve que quand même, bon, il y a pas mal de peau sur ces tampons là, donc j'ai trouvé la liste et donc j'ai acheté les 4 basiques pour faire une couleur de peau avec des ombrages et autres en plus, voilà. Et comme dans mon lot il n'y avait pas beaucoup de marron et que je fais pas mal de verdure et de choses dans le genre, j'ai pris un peu de marron. Je fais pas mal de verdure, j'ai pris du marron. D'accord. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Hop,
Et puis bien entendu, bah, j'ai commandé le papier pour pouvoir l'utiliser parce que, bon, à ma grande surprise, je ne savais pas qu'il fallait un papier spécifique pour pouvoir le faire. Mais bon, donc j'ai acheté du spray qui est hyper cher. Il va falloir que je regarde si je trouve autre chose d'équivalent. Pour celles qui savent, n'hésitez pas à me donner vos tuyaux. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour chez Noz. Pour celles qui en ont un dans le coin, bon, je pense que vous devez toutes le savoir. Il y a quand même souvent des choses. Et des choses sympas quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi dernièrement? J'ai trouvé des planches de tampons cristal Gaïa. Je trouve pas mal de papier, de rubans, de petites breloques et autres. Franchement, j'ai trouvé aussi des strass il n'y a pas longtemps. Sincèrement, c'est des trucs super et pas très chers, quoi. Bon, ça dépend quoi. J'ai trouvé quand même des choses aussi en rouge de Garance. J'ai acheté un lot de papier. Je crois que je dois avoir une cinquantaine de feuilles. J'ai dû payer 5 euros. Bon, ça fait pas excessif, quoi, je pense. Hein. Donc voilà. Donc, bon, bah, j'espère que vous serez indulgente avec ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas, ce que je peux améliorer, et à me dire si ça vous tente de me suivre ou non, parce que, après tout, je trouve ça sympa comme principe. Je vous promets d'essayer d'y passer du temps. Et, bah, voilà. Donc, à une prochaine pour, bah, peut-être un projet ou encore d'autres trucs. Voilà. Bonne journée !